Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu le carburateur HS45 en provenance d'Amazon, enfin Amazon en provenance de Chine surtout, mais on essaye de le monter sur le taillet, voir si c'est réellement compatible et évidemment si ça démarre et ça fonctionne bien. Allez, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Alors la bête. Zama C1Q S18, made in China. Bon, ça, on n'a pas trop de doute. Bon. Je l'ai ouvert à voir s'il n'était pas cassé quand même avant de faire la vidéo. J'ai rien vu de cassé. Après, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas, c'est une autre histoire. Bon, bah. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le plus important, ça va être ici, voir si notre impulsion tombe parfaitement sur notre pipe. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Notre problème de diamètre, là, comme j'ai expliqué sur la précédente vidéo, d'ailleurs, vous la remets là, là, à peu près, là, pour pas faire d'erreur quand on commande le carburateur. Notre modèle est un ancien modèle, donc on s'en fout finalement du diamètre, là, on s'en fiche un petit peu. Bon, allez, on s'y colle. Alors ça, c'est trop gros. Il faut vraiment une toute petite clé. Donc c'est du 8. On essaie de faire attention aux joints quand même. Elles sont toujours un peu chiantes ces durites là, enfin, de ne pas les couper, trop fragiles. Prenez bien le tournevis adapté. Et en fonction de la machine, les durites peuvent aussi être cassantes, complètement cuites. Là, moi, elle est en parfait état, je pense d'ailleurs, qu'elle a été remplacée il n'y a pas longtemps, cette durite. On voit encore les références comme ça dessus, là. À mon avis, c'est pas vieux. Hop, arrivée d'essence. Qu'est-ce qu'il reste? Le câble. Voilà, carburateur d'origine, carburateur chinois. Pour l'instant, ça ressemble, hormis qu'il y a un trou là. Ça doit être pour le montage, hein, pour la fabrication. Et mon trou d'impulsion a bien l'air d'être au même endroit. Ça, ça me plaît. Pareil, là. Un trou pour le volet de gaz, là, il n'y en a pas. Bon. Ça, c'est des principes de fabrication. Après, franchement, ça n'a aucun intérêt, on s'en fout. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne se monte pas. Après, est-ce que ça va marcher? Eh bien, on y va. On y va. Hop, de durite. Alors en termes de mécanique, c'est simple, hein. Juste deux écrous à changer.
Le plus difficile, c'est de faire des diagues avant, être sûr que ce soit bien le carbu. Alors le câble. Moi, avant de changer le carbu, j'ai fait l'ultrason, j'ai changé les membranes, j'ai fait les réglages, j'ai vraiment tout essayé. J'y ai passé du temps avant de me dire que finalement, est-ce que j'essayerai pas un carbu neuf, ça se trouve, un adaptable fonctionnerait bien. Voilà, avant d'en arriver là. Bon, après, vous pouvez ne pas vous poser de questions dès que vous êtes en panne, commander un carbu. Hein. Moi, je change toujours le carbu quand vraiment j'ai pas le choix. Écoutez, ça a l'air de fonctionner parfaitement. On remet la boîte à air. Le petit joint. Les petits écrous. On se met comme ça. Pas si vous voyez grand chose en même temps. C'est juste deux écrous à mettre, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Je sais que ce que vous voulez, c'est savoir si ça fonctionne. Et si à ce prix-là, ça vaut le coup ou pas. Je rappelle que le carburateur que j'ai commandé est à 18 euros. 18 euros si vous, vous le commandez. Moi, 18 euros. Évidemment, là-dessus, j'ai mes charges, ma marge. Donc moi, c'est pas un carbu que je vais vendre 18 euros. Mais vous, qui n'êtes pas professionnel, si vous le commandez, bah écoutez, peut-être que vous pourrez vous dépanner pour 18 euros. Ça, on va bientôt le savoir. Bon, notre carburateur est remplacé. C'est plutôt simple et rapide. Maintenant, est-ce que la poire fonctionne? Oups. On va mettre dans l'autre sens. La poire fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Est-ce que ça démarre? Suspense. Je vous mets un petit peu plus loin parce que sinon je vais vous taper dedans en tirant le lanceur. Voilà. Test démarrage. Démarre en trois coups, plutôt bon. Problème. La machine démarre bien, elle accélère bien, elle fonctionne bien. Il y a un problème sur la course du volet de gaz.
Il y a un problème ici. Le volet de gaz ne revient jamais à zéro, ce qui fait que le lamier est toujours enclenché. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver... Je sais que certaines machines se règlent ici, là. On est buté de réglage, mais je crois que là, c'est pas le cas. Ici, vous avez une vis qui permet de pousser sur la bride pour tendre ou détendre ce câble. Je ne vais pas avoir besoin de tout modifier. On essaye. Oui, d'accord, il y en a qui passent. Donc là, est-ce que si je dévisse, ça marche parfaitement, c'est beau, vous voyez bien que mon levier est en train de revenir là. Là, si je serre, regardez. Je serre, hop, mon volet s'ouvre. Je desserre, mon volet se ferme. Donc on ferme, on desserre jusqu'à ce que le volet se ferme en entier et qu'on ait récupéré le réglage sur notre vis. Ça me semble tout de suite beaucoup mieux. Hop, on redémarre la bête. Résultat, notre carburateur est parfaitement fonctionnel, parfaitement compatible. Si vous avez un HS45 premier modèle, surtout pas de 2MX, HS45 ou autre, hein, FS45, FS38, peu importe, hein, tous ces petits moteurs-là, c'est les mêmes carburateurs, c'est compatible. Attention, regardez bien la vidéo sur la compatibilité des carburateurs que je viens de vous faire. Ne vous faites pas avoir, si vous commandez le bon carburateur, ce sera compatible. Le problème de réglage de câble, finalement, on avait une vis pour modifier la course. Donc c'est pas du tout de la faute du carburateur, c'est la machine qui est comme ça, j'ai réglé. Vous voyez que ça marche parfaitement. Donc techniquement, pour 18 euros, votre machine elle ne démarre pas. Est-ce que ça vaut le coup de tout démonter, tout changer, changer les membranes, alors qu'un carburateur adaptable à 18 euros peut finalement fonctionner parfaitement. Ça m'embête de vous le dire, mais ça fonctionne parfaitement. Bon, donc je peux comprendre les gens qui le font. En tout cas, preuve en vidéo, ça fonctionne parfaitement. Je vous mets le lien du carburateur si jamais vous voulez le commander. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!